Puis vinrent les neiges, les premières neiges de l'absence sur les grands laits tissés du songe et du réel. Et toute peine remise aux hommes de mémoire, il y eut une fraîcheur de linge à nos tempes. Et ce fut au matin, sous le sel gris de l'aube, un peu avant la sixième heure, comme en un havre de fortune, un lieu de grâce et de merci où licenciaient les saints des grandes odes du silence. Il neigeait, et voici nous en dirons merveille. L'aube muette dans sa plume, comme une grande chouette fabuleuse en proie au souffle de l'esprit, enflait son corps de dahlia blanc.